Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'ouverture des fameux, des magnifiques, des très lourds coffrets premium d'évolution en Paldea avec celui de Flamigator, celui de Miascarade, ainsi que celui de Palmaval X. Qu'est-ce qu'ils sont beaux en vrai? J'étais pas fanat des coffrets, mais en vrai de vrai, ils sont très 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 sympas. Ils sont aussi très 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 lourds. Vous allez comprendre pourquoi. J'en ai déjà ouvert avec des amis un peu hors cam. Il y a une plaquette de 3 en plexi et c'est très 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 sympa. Donc, dans ces coffrets, on a 8 boosters. Donc, ça nous fait 24 boosters à ouvrir dans cette vidéo. C'est énormissime. 3 cartes promo, une jumbo. Et puis bah du coup la plaquette derrière. J'ai tellement hâte de les ouvrir. J'ai reçu aussi ça aujourd'hui. Vous aurez ça pour dimanche prochain je pense. Avec les trois autres, les deux autres après. Et puis voilà. De toute façon pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, vous avez vu ma réception. C'était sympa. Allez, on y va. J'ai tellement hâte. J'ai peut-être pouvoir vous montrer. J'ai réussi à ranger tout mon set de dessiné de Paldea. D'ailleurs pour info, tout le set rentre dans un seul classeur 360. Donc c'est pas mal du tout. Le classeur est juste là, donc c'est très sympa. C'est très vide. C'est... Le set reverse en soi est très plein, mais le set après secret est très vide, à part dans le feu de la fin. Bon allez, j'ai assez parlé, on y va. Let's go. C'est vraiment de très beaux coffrets, alors qu'ils valent quand même relativement cher. Personnellement, je les ai touchés à 55€, donc c'est quand même un très bon prix. Oh, je sais plus. Bref, j'ai un doute sur le prix. Donc, par où commencer? Je sais pas. On a déjà les 3 Jumbo de Palmaval, Flamigator et Miascarade qui sont très 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 sympathiques. Personnellement, mon Pokémon préféré dans le jeu c'est celui-ci. Par contre en Shiny, le Palmaval il pète de fou et j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons dans chaque coffret 3 promos Shiny, dont une promo Full Art que vous avez en Jumbo. Donc, premièrement, on va aller petit à petit. Le Palmaval Full Art SVP 84. Nous avons le Canard Bello qui se trouve juste là. Le petit Coiffeton. Voilà, donc ça fait 82, 83 et 84. Donc ça, c'est le premier coffret. Ensuite, nous avons le petit Chouchoudil SVP 79. Le Crocogrill SVP 80. Et le gros Flamigator Full Art SVP 81. Je vous les mets juste là. Ensuite, parce que c'est jamais 203. Nous avons, pas du tout le premier, voilà, c'est lui le premier, il est trop mignon d'ailleurs, j'aime beaucoup, enfin les trois certains sont très mignons. Le petit Poussacha, SVP 76, le Matourgeon, SVP 77, et le magnifique, le beau, le Miascarade, SVP 78. Et on a forcément les boosters qui sont juste là. Et là vous allez me dire, ah mais ça fait cher les coffrets. But, nous avons 3 plaquettes. Alors, attendez, hop, voilà, je vais vous les montrer par là. On a 3 grosses plaquettes comme ça. Alors, je pense que vous avez déjà vu, hein, je suis pas le premier à faire ça sur YouTube. Donc, 3 plaquettes qui ont été faites. Hein, est-ce que c'est noté sur celle-ci? Parce que les anciennes, c'était fait par Ultra Pro, mais là, ça n'a pas d'être noté. Mais en gros, vous ouvrez la plaquette, vous mettez les 3 promos, juste là. Alors, vous voyez, je les ai mis sous sleeve, donc ça a l'air de marcher. Et après, on referme. Bon, là, elles sont pas très bien centrées. Mais en gros, voilà, ça fait un truc comme ça. Et je suis désolé, mais c'est magnifique. Et là, je vais vous donner une idée. Et pourquoi pas, on ferait pas ça avec les 3 starters. Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Mais avec les 3 évolutions, donc genre la Carapuce, Carabaf et Tortank. Ce serait incroyable. Franchement, très 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 belle idée qu'on a eu à Pokémon Company de faire ça dans chaque coffret. De 1, ça fait moins de cartons, parce que les coffrets sont quand même beaucoup plus petits. Et de 2, bon, ça fait les coffrets plus chers. Forcément, on paye la plaquette. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on a ça pour poser la plaquette. Très clairement, ne le mettez pas. Plaquez ça contre un mur, et c'est beaucoup mieux. Ça, c'est nul. Sur les solos, on en avait, mais elles étaient quand même beaucoup mieux. Mais là, sur les triplés, pourquoi ils l'ont pas fait? Peut-être par manque de place, ou que ça coûtait trop cher en production. Je sais pas. Et du coup, voilà, on a la triplette qui est juste là. C'est très, 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 très sympathique. D'ailleurs, prochain coffret, on en aura aussi un coffret premium en avril, je crois, de Karmadora avec un petit en solo aussi. Pareil, je vous le ferai sur la chaîne. Il est précommandé déjà. Tout arrive. Donc, on va faire pile par pile, coffret par coffret. On va mettre les promos juste là, ainsi que celle-ci et celle-ci juste là. Donc, 24 boosters. On va commencer par le Palmaval et on est parti avec les 8 premiers boosters. Ça fait beaucoup là. Faut savoir que pour le moment, sur la série, je suis rendu à 37 boosters ouverts. Là, avec ces coffrets, donc plus 24, plus 12 des Pokébox dont 36. Donc je revois quasi l'équivalent de ce que j'ai déjà ouvert durant toute la série. J'espère vraiment avoir des bons taux de drop. Parce que tous les coffrets n'étaient pas pour moi. Donc j'espère vraiment avoir de la chance. Allez, Barloche. Et compléter mes séries. Et pourquoi pas avoir des doubles. Pokéball. Pas du tout. Faible ball.
Ok, consacre une reverse avec machine technique point crise, de crise, Camerupt et le petit roue de fer que j'avais déjà eu en double. Donc je l'ai en double des doubles. C'est bon, j'ai vu les gens en ouvrir. On en a ouvert entre amis. Et puis j'ai vu. Oula. Attendez. Et ils ont droppé la machine alternative et le clove alternative en un seul coffret. Et plein de petites shiny à côté. Attendez. Ok. Non. Ah, c'est ça qui brillait. Oh. Ok. Je l'ai déjà aussi. Bon, deux ex. Frérot, faut commencer à drop. Là, les ex, j'aime bien, mais non, petite interruption. Donc, là, le Salarsen, qui est très sympa. Voilà, petite shiny. Donc, je l'avais pas celle-ci, donc c'est pas une double, c'est cool. Allez, on continue. Poulpaf, Vrombri, Féroce Singe, Magmar, Donphan, Faible au Ball, Crac. Oh, une Full Art. Roux Carnage, je l'ai pas, yes. Chamallow et. Le petit Raichu. Ok, nouvelle Full Art. Ça, c'est très cool, franchement. Elle est très sympathique, la petite Roucarnage. Allez, on continue. Donc, pour l'instant, on est à 4 hits. Sur le premier coffret, c'est pas mal du tout. Ça y va, tranquille. Allez, super bonbon. Compagnol, Barloche, Chamallow, Colossinge, Farfaduvet, Bagaïde, Natu, Élève de Paldea. Je crois que je l'avais pas en reverse. Ça, c'est cool. Et... la recherche professorale. Genre un double 8, ça pourrait aller. J'ai vu un commentaire d'un abonné d'ailleurs qui m'a dit ah, je vais un booster. Ça, c'est salaud, ça, par contre. J'ai eu le Mew alternatif et. Ok, rien du tout. Et rien du tout. Le Mew alternatif et le Mew Full Art. Ah, c'est le booster ultime. Là, je suis désolé, on peut pas faire mieux. Franchement, allez, on continue avec Charbonbin. Tarsal, Terracool, Poulpaf, Colline de Clairlune, Reptincelle, Briochien, Barloche. Ok, bon là je pense on est sur un coffret, c'est loin d'être une masterclass. C'est le dernier booster du premier coffret. Hein. Et c'est pas folichon, à moins qu'on ait un gros truc là, mais super bonbon. Frigodo, Pomme de Pique, Chamallow, Briochien, Camerupt, Bagaïde. Ok, super dauphin, ok. Bon, 5 hits, 8 boosters, pas de très gros hits, mais bon, ça va. On continue. Allez, Maturgeon, Mascara et des Poussachas en shiny, et c'est parti. Donc dans tout ça, j'ai que 2 nouvelles cartes, parce que le Super Dauphin, je l'ai déjà, et les 2 ex, je les ai déjà. Allez, on y va avec tout ton... En fait, je vois que ça brille, mais j'arrive pas à savoir, parce que ça peut être une holo, c'est ça qui est trompeur. Donphan, Féroce Singe, tout tombe. Oh non, je l'ai pas. Ok, bon. Cléopitra. Ok. Cléopitra, c'est très bien. Je l'ai pas. On ajoute à la série. Il est fou, de toute façon. Ça, c'est les foulards Terra Crystal. Est-ce que je vais dropper le Dracaufeu Terra Crystal? Ce serait bien, parce que c'est pas tout ça, mais j'ai jamais réussi à le drop dans V3. Donc, si j'arrive non plus à jamais le drop dans Évolution Paldea, ce serait un peu fou. Pas foufou, du tout. Ok. Une ex encore de Fort Ivoire que je n'avais pas, ça c'est cool. Je vais toutes les avoir au final bientôt, hein. Il doit plus me manquer grand chose en ex. Par contre frérot, à part des ex, il y a d'autres choses qui existent. Hein. C'est pas tout ça, mais bon, je suis quand même déjà rendu à 4 ex. Hein. Allez, on y va avec un petit Axoloto de Paldea. Hop, j'aurais pu acheter un peu. Tout tombe, Charbonbin, Poulpaf, Clove, Colossinge, Hyperball, Motorizard en Rare Reverse que je n'avais pas, ça c'est cool. Axoloto de Paldea. Et recherche professorale. On m'a prévenu aussi qu'il y avait des coffrets qui étaient pourris. Est-ce que ça va être pour moi? Non, on va dire que non. Briochien. Une petite shiny. Oh oui, elle est magnifique celle-là. J'ai un pote à moi aussi. Julien, si tu passes par là, je pense que tu passeras peut-être par là. Oh là là, qu'il l'a trouvée. Elle est incroyable, la Rafflesia shiny. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, j'aime beaucoup. Oh, double hits. Pomme. Non, pas triple 8. Je sais pas si c'est possible du triple 8. Pomme que j'avais déjà aussi. De toute façon, j'ai 3 air shiny, c'est pas compliqué. J'ai réussi à faire un échange pour avoir la trio pico. Donc voilà, le petit Rafflesia qui est très sympa. Ok, bon, ça remonte le taux de drop. Pour l'instant, on est quasiment aussi bien que le premier coffret. Il manquerait juste. Il y a la foulard de Roucarnage qui fait un peu plus quoi. Axoloto de Paldea, machin, Briochien. J'ai fait de la nulle, Ok. Poulpaf. Et une petite. Ex de Tapato S. Ex Tapato S. Ouais, t'as capté. C'est nul. Allez, je l'ai déjà aussi. J'espère, sur les 36 boosters, dropper une alternative. Je demande pas plus une seule. Axoloto de Paldea. Compagnol. Féroce Singe. Machine Technique. Point de crise. Krakos. Menzi. Chamallow. Ok, encore pomme. Dis donc.
et le petit Raichu, une AR. Bon, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 hits. Il reste 2 boosters. C'est pas des gros hits. Les alternatives, il n'y a pas de photo, hein. Les alternatives ne tombent pas. Hein. Clairement, dans la série, j'en ai pas vu beaucoup tomber. Hein. Même autour de moi, les alternatives dresseurs tombent un tout petit peu plus souvent. Ok, rien du tout. Ouais, toujours rien. Et encore rien. Franchement, c'est pas tout le temps. Hein. C'est au bonheur la chance. Allez, on continue avec un gourmelet. Donc là, c'est le dernier coffret dernier booster du deuxième coffret. Tarsal, Menzi, sac de Menzi du moins, Fulgulero. Allez, un nouvel hit. Ouais, petit 101. Donc on a deux petites shiny. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 hits. Donc là, c'est le septième. Oh, le magnifique Blizzard Roi qui est très sympa. Une AR. Deux, super dauphin, triple hit. Non, je sais pas si c'est possible. Franchement, c'est une rumeur, mais je sais pas. J'ai vu personne encore en avoir. Bon, une double shiny. Enfin, non, une shiny que j'avais pas. C'est que c'est cool. Et une petite double encore en AR. De toute façon, par contre, frérot, le. Donc, deuxième coffret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hits. C'est bien. C'est bien. On a, dans les 8 hits, on a 2 nouvelles. 3 nouvelles. 4 nouvelles, pardon. C'est très bien. Allez, le dernier coffret. Ça refait du booster, là. Ouais, le. Comment il s'appelle ? Trio Pico, là. Même si je l'ai eu en échange, ça va le tomber un jour. Bref, Spectrum, Natu, Axoloto. Il y a trop de ultra là. Il y en a trop. Compagnol, Rhinolove, Colline Clairlune. Allez, une halte. Non. Toujours pas. Et rien du tout. Donc on a fait un coffret avec 5, je crois. Ouais, 5 hits. Et un avec 100% de hits. C'est sympa. C'est sympa. Même s'il y a beaucoup de doubles, mais c'est sympa. Allez, Deden, Menzi. Allez, une grosse carte là. Ce serait bien. Super bonbon. Fulgulero, Clove, j'ai une pile de cartes à côté, c'est un truc de fou. Reptincel, Salamèche, Karmadora, sympa ça. Et Malvalam. Oh, alors je viens de capter un truc l'autre jour. En fait, c'est qu'il y a deux formes différentes. C'est pour ça que je me gourre tout le temps du coffret. Il y a le coffret Karmadora et le coffret Malvalam. Enfin, ces deux Pokémon là. Et le coffret avec le petit présentoir qui sort en avril, c'est Karmadura. Voilà, comme ça, moi je saurai. Super bonbon. Doudouvet, Pomme de Pique, Faible Ball. Reptincel, Hyperball. Ok, encore rien du tout. Familiol, toujours rien. Et encore rien du tout. Ils font pas rêver les coffrets. On va faire vite un récap à la fin, mais c'est pas les coffrets de l'année pour le moment. Bagiguan, Mordudor, Magmar, Menzi, Reptincel, Fragouin, Camirupt, Camirupt en reverse. Ok, Chromago et une ex de Roue de Fer. Que j'ai déjà encore. Parce que je l'ai déjà droppé 4 fois. Bah là ça fait 2, 3, ouais j'ai droppé 4 fois en tout. Ouais, tu peux commencer à me donner quelque chose le coffret. Tu m'as coûté un petit billet quand même. Ce serait bien que tu me donnes un truc, hein, parce que je sais pas tout ça, mais bon. Deden, Menzi. Il y avait un petit Natu derrière. Camerupt, Bagaid, Rhinolove. Oui. Ouf. Oh, coup dur. Frérot, il reste 3 boosters là. Allez, c'est le. Faut y aller là. Faut. Lance-toi. Donne-moi quelque chose là. S'il te plaît. S'il te plaît là. C'est. La vidéo m'a coûté. Bonbon là quand même. Là, ça serait bien que tu me donnes un petit truc. Non. Ok. Ok. Air Shiny. Oh my god, oui. Oh mon dieu. Elle est magnifique. Oh là 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 là, la dinguerie! C'est la plus rare! Oh là 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 là! Et derrière. Ok, Briochien et. Ré. Oh bah, le Raichu. Oh là là, la dinguerie! Oh, je suis trop content! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là là, la Pikachu Shiny! Et elle est comment? Elle est pas nickel, mais c'est pas grave. Elle est quand même pas trop mal. Mais. Ah, oh, ça fait du bien. Ah, oh, ça fait du bien de fou. Oh. Bon, on a la meilleure AR Shiny de la série. Ah, oh, c'est cool. J'ai pas regardé la cote du Entei. Je sais pas combien elle a la Entei. Mais la Pikachu, mon dieu, qu'est-ce qu'elle cote. Oh là 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 là, je suis content. Ah là là, c'est cool. Ah là là, je suis refait, c'est bon. Alors, attention. Bon, après, je veux bien dropper un autre truc, parce que deux ultras dans un coffret, c'est un peu léger. Ok. Ok, je crois que... Non, je l'ai pas. Oui, je l'ai pas. Ça, c'est cool. Ok. Call. C'est cool. Ça fait du bien. Ça, c'est cool. Allez, dernier booster. S'il te plaît. Parce qu'autrement, ça ferait 3 hits. Un peu léger, mais on a eu la meilleure AR Shiny. Je sais pas quoi dire. Sensua. Allez, the last chance.
Oh, une full art. Let's go. Est-ce que... Ok, je l'ai déjà. En simple full art, il me manque plus que... Mendy. Donc, je l'ai déjà. Bon. Et bah, c'est très bien. Je suis content. J'ai eu le Pikachu. Allez, là, je suis content. Si on fait un récap vite fait. Donc, ça, j'ai déjà. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai... non, ça, j'ai pas, pardon. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai pas. Donc, ça fait un booster à... Un coffret à 3, 4 hits. Ouais, ça va. Tout ça, j'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai. Et dans tout ça, j'ai déjà. Donc, en nouvelle, nous avons eu tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Je dois pas être loin de la fin de... du set classique dans les ex. Je vais peut-être retrouver mon Poké Cardex à côté. Alors, Destin Palda, donc il manque le Fortress X, le Cleopsitra X et le Fort Ivoire forcément. Ah, il en manque encore deux. Ah oui, il manque trois. Trois, il manque encore trois X dans la série. Il manque le Bruivern X, le Dracaufeu X et le Marest. Marest ? Non, Terrestre, pardon. Terrestre X. Mais du coup, on a eu tout ça quand même. Donc c'est quand même pas trop trop mal. On a eu quand même quatre petites nouvelles shiny, donc ça c'est cool, et trois grosses évolutions dont le Pikachu. Ouais, elle fait trop plaisir celle-là, franchement. Ah, je suis content. Et on a eu des bonnes petites shiny, franchement, et on a eu une full art shiny et deux Terra Crystal. Et bon, après malheureusement mais fort heureusement, on a eu tout ça en double. Voilà, bon, après c'est beaucoup de X et de en fait les AR shiny tombent vraiment tout le temps, et on a eu quand même une full art, quatre AR shiny, j'y arrivais, et 4X. Donc en gros, sur 24 boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ultra sur 24 shiny. Je sais pas combien ça fait exactement, mais c'est pas trop mal. Ça fait quasiment... c'est bien, c'est bien. Franchement, je drop toutes les meilleures cartes de la série. Mais il vaut un tarot, ce Pika. Je suis choqué du tarot qu'il vaut. J'ai l'iPad qui est là. Attendez. Je fais mon curieux. C'est vraiment pour histoire d'être curieux. Ah bah nickel, j'ai un carte market d'ouvert. C'est là combien? Parce que les Pikachu, il y en a beaucoup qui existent. Alors, attention. Nous sommes sur un tarot. Bien sûr, il faut mettre en langue française. Sinon, ça va moins bien marcher. Genre en anglais, ouais, il faut un petit prix. ouais, c'est pas mal. Ça me rembourse plus d'un coffret premium. Il vaut 65€ le machin. Je suis content, franchement, elle est magnifique. Ah bah, elle est dans le petit classeur à côté. J'ai pas le Raichu, je connais quelqu'un qui l'a. Mais franchement, pas mal. Ça fait plaisir. Quand la vidéo sortira, normalement, je serai en vacances. Et du coup, prochaine vidéo, donc ce sera normalement dimanche prochain, il y aura ça avec les trois réunis qui sont là. Et la magnifique Dracaufeu qui se fait scalp de partout. Voilà, parce qu'on peut déjà quasiment la revendre deux fois le prix. Ah, c'est sympa, Pokémon. Franchement, c'est sympa. Les gens ne pensent que à ça. L'argent. Normalement, fin du mois, on se retrouvera pour bundle. Et on aura aussi le coffret Dogrino X. J'ai essayé de le toper sur Paname, celui-là, parce que je serai là-bas, je pense, au moment où ça sortira. Pareil pour le bundle. J'ai essayé de faire les sorties des magasins là-bas. Je sais pas, il faudrait que je regarde où il y a un Smith Toys. Et puis bah après, début mars, on a de très très beaux items qui arrivent avec le Paldea Chest. J'en ai 4 en tout. Et après, pour mars, on a des Teens Cubes, je crois, qui arrivent. Et puis, je crois que c'est déjà pas mal. Parce qu'après, ce sera EV5 le 22 mars. Et puis, après, je sais plus ce qu'il y a. Ah si, on a aussi les... le coffret Kamadura X qui est pour avril. On a un coffret Tactile, il est incroyable, je trouve magnifique le coffret, qui sort en avril. Et puis après, en mai, on a des Pokébox pourrave. Frérot, ils ont refait du recyclage, mais c'est même plus du recyclage, là c'est de l'insultage. C'est un saut moche, c'est même pas des ex, c'est des pauvres holos, et c'est des Pokébox design bloc ex diamant et perle. Même celles de diamant et perle, elles sont plus belles. Franchement, là, Poké Compagnie, vous avez pas géré. Elles sont pas folles les Pokébox. Même si je suis pas fan de Dracaufeu Tracristal, il y a du volume, il y a quelque chose, il y a un effet 3D. Ah, sur les allez voir sur Pokécardex sur l'actualité, ils les ont mis. Mais elles sont vraiment affreuses. Je crois qu'il y a un Monaflémite. Et après, j'ai vu Tyranocif. Et il y en a une troisième, je sais plus c'est laquelle. C'est pas grave. Moi, je m'en vais tourner ça. Vous aurez ça dans une semaine. Voilà, je suis content. Heureusement que j'ai le Pikachu. Parce que ça sauve vraiment l'ouverture. Enfin bon, j'espère vraiment que cette ouverture vous aura plu. Et puis, bah, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!